messieurs, c'est toujours un très réel plaisir de vous retrouver sur votre chaîne Mafrica TV. On salue premièrement nos abonnés. On vous invite également à appeler d'autres personnes à s'abonner sur cette chaîne qui monte en puissance. Merci pour les partages, merci pour les commentaires. Ça nous va droit au cœur. Nous avons comme d'habitude eu en ce jour d'aller dans un quartier ou encore Bepanda à la rencontre d'un jeune homme qui a décidé dans le domaine de l'entrepreneuriat à faire des pavés à partir des objets biodégradables. Nous sommes bien sûr à Bepanda au niveau de Kassmando. Nous sommes à présent presque devant son atelier. Suivez-nous à l'intérieur pour qu'on rencontre Zéphirin Monté qui nous attend certainement. Il est justement là. Bonjour Zéphirin. Bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté de vous ouvrir à nous. Question de permettre à d'autres jeunes qui nous regardent de comprendre qu'on peut partir de rien ou encore qu'on peut partir à partir d'un peu de quelque chose pour devenir très grand, parce que nous ne sommes pas des charlatans. Hein. Il faudrait dire quand même qu'on a eu à recevoir certainement des aides pour être là où on est aujourd'hui. C'est vrai, le début, ce n'est pas facile. Nous sommes bien sûr avec Zéphirin Monté, qui était un ingénieur, qui était un génie derrière la fabrication des pavés, via les biodégradables. Alors, rendons-nous à la phase pratique, question de permettre aux gens de découvrir. Zéphirin, on est chez toi. Merci beaucoup d'être venu à découvrir de ce que je fais au quotidien, puisque je fais dans le recyclage des déchets plastiques, je les transforme en pavés. Vous savez, c'est une forme pour moi de donner une seconde vie aux déchets plastiques biodégradables. Donc, le profane également, ou encore nos amis qui sont en train de regarder depuis la maison, aimeraient savoir la constitution de la chose. Il est constitué essentiellement du sable et des plastiques. Ouais. Il n'y a pas de ciment. Okay. Et vu, vous savez, dernièrement, il y a certains collaborateurs qui nous ont approchés disant « Oh, est-ce que vous pouvez nous produire des pare-feu en base de cela ?» Puisque nous voulons travailler dans les zones marécageuses, faire des fondations. Nous, on a dit « Ok, c'est bien, c'est une bonne chose, mais il faudra d'abord étudier la chose. Ouais. » Puisqu'il se peut que le prix du ciment a tellement augmenté et beaucoup de gens sont en train de se reverser dans les déchets plastiques pour pouvoir... Nous, on a dit que oui, c'est une bonne chose, mais pour le moment, on est encore en train d'étudier ces choses. Il y a beaucoup de particuliers qui nous ont contactés pour cela. On a dit « Ok, c'est une bonne chose, mais on va d'abord étudier, voir et tout. » Puisqu'on ne se lève pas un bon matin pour dire « Non, on va faire telle chose. » Il faudrait des études approfondies pour pouvoir savoir que non, là, ça n'a pas d'impact. Ouais. Quels sont vos projets dans l'avenir, projets prochains? Les projets dans l'avenir sont tellement nombreux. Puisque nous voulons, dans l'avenir, essayer un peu, puisque avec le coût du ciment qui ne fait que s'augmenter du jour en jour. Ouais. Si déjà, dans l'avenir, nous pouvons essayer de construire avec cela, faire déjà, on n'utilise plus de ciment, plus du ciment dans les maisons de construction. On utilise uniquement ces déchets plastiques pour pouvoir les construire et tout. Ça serait plus économique et ça serait une maison écologique. Plus. Puisque il faudrait débarrasser le Cameroun des déchets plastiques qu'ils ont. Puisque quand vous jetez une bouteille plastique là, c'est au moins une durée de vie de 200 ans sur Terre. Wow. Et quand c'est là au sol, si vous dites que vous voulez cultiver, la culture ne donnera rien, puisqu'il y aura un plastique en bas. Il faudrait d'abord débarrasser le pays, le Cameroun, de tout cela, pouvoir construire des maisons écologiques pour pouvoir être plus propre. Bon, maintenant, quand on voit, on est en train de débarrasser le Cameroun des objets biodégradables, on se pose la question, maintenant, la fumée qui s'échappe de votre feu, est-ce que ça n'a pas d'impact négatif sur la santé? Comment faire pour améliorer cela? Pour améliorer cela, bref, raison pour laquelle, pour travailler ici, il faut avoir les EPI. Vous avez vu, j'ai le cache-nez, j'ai tout ce qui va avec. Maintenant, pour pouvoir combattre cela, peut-être plus tard, il faudrait avoir une usine et tout et tout. Ça va que bon, canaliser la fumée avec les causes. Mais pour le moment, nous sommes encore dans l'informel. Ouais. Donc pour le moment, nous sommes ouverts à tout le monde, comme je vous ai dit. Même s'il y a les investisseurs qui sont là, nos portes sont ouvertes. Oui, étendre également, élargir votre champ d'action, élargir votre portefeuille, élargir également votre carré d'adresse. Voilà. Comment comptez-vous prendre part pour
y arriver en fait? Pour y arriver, comme je vous ai dit dès le départ, nous ne voulons pas aller vers le vers celui qui a réussi à toquer la porte. Non. Nous voulons commencer par le bas. Ça veut dire quoi? Avec ce que nous faisons là, avec ce que les particuliers ont eu à commander, ils sont satisfaits. Cela, la publicité ira de bouche à oreille. Et maintenant, ces industriels viendront, je me dis, viendront vers nous pour qu'on ait un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Puisque si, à l'heure actuelle, si vous partez vers un industriel, vers un chef d'entreprise, vous dites, ok, monsieur, je veux. Franchement, vous n'avez aucune garantie pour lui. Puisqu'il va vous dire, ok, si j'investis, j'ai quelle garantie? Qu'est-ce qui me prouve que cela est fiable? Là, il va vous prendre peut-être pour un bandit ou bien pour quelqu'un qui vient peut-être parce qu'il a faim. Or, s'il voit ça à travers quelque chose, à travers son frère, à travers son fils, il viendra vous dire, oh tiens, oui, je vois, est-ce qu'on pourrait... Là maintenant, le partenariat sera gagnant-gagnant. Voilà, vous aurez aussi la possibilité de dire ce que vous voudriez dans le partenariat. Voilà. Les clauses, par exemple. Oui, quand je demandais comment pouvoir atteindre des personnes, comment élargir votre champ d'action, il serait également utile de rappeler que nous sommes aujourd'hui plus dans les médias sociaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi créer, par exemple, une page Facebook exposant votre activité, une page Facebook qui permettra, par exemple, une page Facebook sponsorisée qui permettra également aux gens de Douala, à côté de Douala, de tout le Cameroun, de la planète Terre, de savoir que vous menez une activité très importante comme celle-ci? Pour le moment, j'ai une page Facebook dénommée Recyclage. Exemple, pour le moment, j'ai des abonnés qui me posent des questions de temps en temps. Et puisque là-bas, la réponse est c'est interaction. Quand vous m'écrivez, j'ai au moins deux temps pour vous répondre, puisque je suis connecté 24/24. Bon, et après ça, il y a aussi les médias qui doivent essayer aussi de nous accompagner, comme vous, aujourd'hui. Vous êtes le premier média à venir dans l'atelier et s'acquérir de ce que je fais au quotidien. Avec votre aide et l'aide de la page Facebook que j'ai créée, je me dis que l'information ira au fur et à mesure, comme je dis souvent, puisque dans la vie n'est pas la course, mais c'est doucement qu'on arrive au sommet. Voilà. Quand on parle de page Facebook, je pense que c'est très ordinaire en fait. Maintenant, je demande, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes sponsorisé la page, par exemple? Est-ce que vous sponsorisez des activités que vous publiez sur votre page? Parce que si on s'arrête essentiellement à faire des publications sur la page Facebook, on n'aura pas assez de personnes, si oui, nos amis que nous avions d'abord sur notre mur Facebook. Qu'est-ce que vous faites pour élargir le champ de cela? Pour élargir le champ de mes abonnés, je peux dire ainsi. Comme je les montre ce que je fais au quotidien, en fait. Je les montre le produit escompté, je les parle de ce que ça fait au quotidien. Maintenant, pour le moment, j'ai dit, je n'aimerais pas convaincre quelqu'un en disant que non, telle personne a mis chez lui. Justement. J'aimerais que chacun vienne de ses propres gré découvrir que oui, ok. Puisque si ça, je me dis, ça ne sert à rien si peut-être vous venez commander, je filme, je mets. Je me dis que non, ça serait plutôt la personne va venir vers moi parce qu'il a vu que d'autres. Or, si la personne veut être curieux, comme je dis souvent, que la personne essaie de venir vers moi commander, dit ok. Quand il sera satisfait, lui, il pourra venir dire ok, je témoigne. Je me dis que c'est comme ça qu'on fait les choses. Donc, c'est ma manière de voir les choses. Peut-être aussi, peut-être d'autres gens ont des choses à me dire pour que j'améliore cela. Je suis ouvert. Parlant des gens donc qui ont à vous dire. Je pense pour ma part qu'il serait question de faire voir le produit, de voir où on a commencé pour atteindre, pour aboutir en fait. Là, rassurez-vous, tout le Cameroun sera pas même de se rendre dans votre atelier pour découvrir cela. Mais le Cameroun, via ce qu'on a découvert sur la page, à la base des commentaires qu'on a reçus, par exemple de vos clients, ça amènerait des personnes à vouloir aussi, sans passer par l'expérience, sans avoir touché, à passer des commandes. Ok. Je pense que c'est ça. Ah, d'accord. Et vous savez, même sur les réseaux sociaux, comme Facebook, là, parfois vous publiez une chose, quelqu'un qui ne connaît rien dans ça, il vient de prendre la photo et pas publier. Raison pour laquelle je dis souvent à mes abonnés, pour être plus crédible, je vous invite à venir à l'atelier, toucher du doigt de ce que je fais. Là, vous serez satisfait. Puisque ça ne sert à rien de rester derrière une page, dire que bon, je sais faire alors que je ne sais pas. Beaucoup de gens le font. Justement. Et vous voyez, peut-être beaucoup de gens se font arnaquer, puisque tout le monde dit que bon, je vais passer la commande. Parfois, je vais venir vous voir. La personne ne sera jamais dans la ville ou bien la personne ne sera jamais disponible. Je les invite chaque fois à dire ok. Si vous êtes intéressé, je vous invite à venir à l'atelier, toucher du doigt de ce que je fais. Là, maintenant, vous pourrez venir faire la publicité. Je vous dis, parce que je dis,
Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne peut-être sur ma page, prendre les photos et puis dire que c'est moi. Ouais. J'en veux l'argent et après je dis que non, je veux les photos, non, je ne laisse pas. Et ils ont mon numéro. Mm. Je dis, il y a tout mon numéro sur la page. Justement. Je dis, et c'est mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi, je vais vous répondre. Si vous prenez rendez-vous, vous viendrez, je vais vous accueillir, vous allez voir ce que je peux au quotidien. Et... Voilà, on va vous laisser un instant, question de passer vraiment la phase pratique, de nous sortir un truc de waouh là. Donc, ok. À présent, nous passons à la phase pratique pour observer ce qu'il la rançon de ce qu'il est en train de faire. Oui, oui. Vous savez, pour le faire, on ne se lève pas un bon matin pour dire qu'on fait le résultat. On doit d'abord, raison pour laquelle ici, dans l'atelier, il y a le kilo. Le kilo, c'est à peser. À peser nos produits. Puisqu'on ne fait pas, on fait pas dans la tâton, non. Il faut d'abord peser avant de savoir que non. Parce qu'à travers la pèse, on peut avoir une fiche sanitaire. Et tout est pesable, ça veut dire quoi? Tout est plastique, nylon, plastique, sable. Puisque c'est ces trois composants qui font déjà, qui font en ce que cela devient préparé écologique. Ici, nous allons peser le sable. Pour le moment, nous attendons que cela doit soit liquide dans le fût. Maintenant, le produit étant homogène, nous allons passer à la phase pour mettre le sable. Thank you.
Cameroun après 15 à 20 minutes. Nous avons environ combien de personnes employées pour vous accompagner dans cette activité? Pour le moment. Par exemple, pour la collecte des bouteilles, par exemple, dans votre atelier? Pour le moment, nous sommes quatre. Quatre. Les trois autres sont en activité en train de collecter des plastiques dehors. Ils ne sont pas là. Puisque pour le moment, je suis le seul qui produit. Qui produit, ouais. D'autres sont dans pour la collecte. Ouais. Il y a une structure, je ne sais pas si je veux dire entreprise, quelque part non loin de Kathmandu. Récemment, je vois les bouteilles entassées là. Des bouteilles. Je veux dire, Kafrat, sans publicité. Je vois les bouteilles entassées. Est-ce que c'est vous qui faisiez cela? C'est vous qui demandiez cela? Des bouteilles entassées? Non. Pour le moment, moi, je ne sais même pas. Je n'ai pas su qu'il y avait société qui entassait les bouteilles là-bas. Mm-hmm. Je n'ai aucune idée de qui. Parce que j'ai vu une sorte de bourse où on disait vos bouteilles plastiques ici. Est-ce qu'on ne pensait pas que cela pourra aussi vous aider à l'avenir en créant un box dans lequel on dit vos bouteilles plastiques, box sous forme de kiosque en fait. J'étais aux bouteilles ici, ça pourrait vous aider aussi dans la collecte. Je comprends bien, mais chaque chose en son temps. Mm-hmm. Nous sommes encore au début de nos activités. Mm-hmm. Nous croyons que peut-être d'ici, dans un avenir pas lointain, mm-hmm. nous aurons l'occasion d'implémenter cela. Mm-hmm. Vous pourrez en semaine fabriquer environ combien de pavés déjà? En semaine, si toutes les matières premières sont réunies mm-hmm. et toutes les conditions réunies, mm-hmm. nous pouvons fabriquer plus de 500. Ouais. Plus de 500. Est-ce que l'activité en question nourrit son homme déjà? Est-ce qu'on peut vivre essentiellement de ça? Oui, on peut vivre essentiellement de ça, comme mm-hmm. je vous ai dit, puisque pour le moment, nous sommes au début. Mm-hmm. Mais il y a des particuliers qui nous font confiance, qui viennent parfois, ils passent la commande des petites quantités. Mm-hmm. Cela nous permet de survivre pour le moment. Ouais. En attendant que donc peut-être avec l'aide des autres particuliers et l'aide mmh. peut-être de la mairie, mmh. ils pourraient venir peut-être nous dire, ok, voilà, on travaille en partenariat, puisque nous sommes encore jeunes. Mmh. On dit souvent, la population camerounaise est constituée au moins de 75% de jeunes. Ouais. Et si nous, les jeunes, nous n'entreprenons pas aujourd'hui, c'est pas demain que... On entreprend. Voilà, est-ce que vous êtes, concernant votre collaboration, la mairie, est-ce que vous collaborez déjà à la mairie? La mairie connaît votre existence? C'est pas... Non, pour le moment, la mairie ne connaît pas encore notre existence, mmh. puisque je me dis, quand on commence une activité, ouais. on commence d'abord par le bas. Mmh. On ne commence pas par le haut. Justement. Si déjà au départ, je pars toquer la porte de la mairie, je crois bien que je n'aurai pas le résultat escompté. Justement, je comprends qu'on soit en phase, on peut même dire phase de test en fait. Oui. Il faut d'ailleurs que l'activité marche pour qu'on puisse dire non, on peut légaliser la chose en fait. C'est ça. Bon, moi quand je disais mairie, c'est pas pour demander si vous... aviez déjà payé vos papiers, non. C'est me rassurer si, par exemple, parce que c'est la voie peut-être autorisée, est-ce que vous êtes allé vers la mairie disant que aidez-nous à permettre aux populations de nous envoyer des bouteilles? Pour le moment, non. Okay. Pour le moment, non. Mm-hmm. Je vous ai dit. Nous, on voudrait commencer d'abord par le bas. Ouais. Puisque si vous commencez une activité, vous partez déjà demander de l'aide. Mm-hmm. Je crois que ça serait mal vu. Ouais. Genre, on va dire, mais pourquoi il ne peut pas travailler à ses propres frais? Mm-hmm. Bien, on va dire non, il veut bénéficier bien tout ça. Mieux commencer par le bas, étant seul, collecter seul. Mm-hmm. Maintenant, dans le temps, quand il y aura de l'influence, mm-hmm. je me dis, peut-être cette mairie-là, ou bien cette grosse tête-là viendront vers nous. Mm-hmm. Là, maintenant, on aura peut-être... un partenariat gagnant. Ok. Voilà, je vois les bouteilles, la bouteille à gaz là. Oui. Ouais. Nous sommes à la commune. Nous sommes en train de fondre ces plastiques. Mmh. Oui. Nous sommes en train de les fondre à travers du gaz. Mais c'est pas seulement avec du gaz qu'on peut travailler, on peut travailler aussi avec des feux du bois. Mmh. Oui. Donc chacun fait à sa. Entre feu de bois et bouteille à gaz, feu de gaz, quel est plus économique? Bon, ce que je pourrais dire, c'est que les deux sont économiques puisque chacun trouve son compte peut-être au milieu. Ça dépend aussi du milieu dans lequel on se trouve. Mmh.
peut-être, je me dis, dans la ville de Douala, le gaz est plus approprié que le bois. Puisque si vous voulez utiliser le bois pour pouvoir faire cela, il faudra passer la commande et tout. Et avec tout ce que nous connaissons, que la ville de Douala, il n'y a plus de bois. Ce serait difficile. Mieux, or, à côté de nous, il y a des quincailleries qui vendent des gaz, il y a des stations-service. Mieux en procurer et travailler. Si peut-être nous étions dans les zones rurales, nous pourrons utiliser du bois pour réaliser notre œuvre. On a également vu en train de mettre, je ne sais pas quel produit, c'est l'huile de frein, c'est l'huile d'arachide. Là, c'était pour préparer les moules, je pense. Oui, on est en train de huiler les moules, puisque si le moule n'est pas huilé, quand on mettra la pâte dans le moule, ça ne sortira pas, ça va rester collé. Maintenant, quand on huile le moule, quand on va le mettre, vous allez voir qu'en sortant, ça va sortir étant sans problème. Ouais. Ça va sortir sans problème. Nous, en tant que pourtant, quand on rentre dans l'atelier, on voit du sable, on voit les matières, on voit les moules. Voilà, nous sommes presque parvenus au thème de l'émission. Est-ce qu'il y a un message ou des personnes à qui vous devez faire big up? Oui, je voulais faire big up à un grand frère qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup dit que la persévérance paye. Particulièrement, c'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. Il s'agit de M. Kamsoulou Pierre. Je voulais aussi faire un big up à ma famille qui m'a soutenu et qui me soutient toujours dans mes projets. Parce que pour le moment, au début, comme je vous ai dit là, ce n'est pas du tout facile. Ouais. Si vous n'avez pas le soutien de la famille, vous risquerez de ne pas vous en sortir. Mm-hmm. Oui, oui. Autre mot de fin? Je voudrais dire merci à vous, les médias, puisque vous êtes l'une des premiers médias à devoir passer dans notre atelier ici à Bepanda. Mm-hmm. Et dire à nos chers clients, s'ils veulent les pavés écologiques, comme je l'appelle tantôt, qu'ils peuvent passer la commande au 650 43 59 50, mon WhatsApp. Et où ils partent sur la page Facebook Recyclage. Ils auront beaucoup de choses à découvrir là-bas. Okay. Donc merci, ce fut un très grand plaisir. On vous souhaite bonne suite ou bonne continuité dans votre activité. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir de nous rendre dans cet atelier de Monte Zéphirin, question de découvrir ses œuvres qui parlent assez fort. Je vais dire, l'homme en question n'est pas assez parleur, mais ses œuvres parlent très haut. Mesdames et messieurs, il nous a démontré qu'à partir des biodégradables, on pourrait avoir quelque chose de formidable qui sont bien sûr les pavés. N'hésitez pas à vous rendre sur sa page découvrir ses prouesses ou encore son talent. N'hésitez pas à répandre aussi autour de vous la découverte que vous avez faite pour YouTube concernant la fabrication des pavés via les biodégradables. A très bientôt pour une autre édition de votre émission Ranka sur MyFrika TV. On est ensemble.